Je vais vous présenter l'un des meilleurs glitches que j'utilise sur Palworld. Ce glitch me permet de dupliquer n'importe quelle ressource. Alors au début c'était compliqué à prendre en main, mais après quelques tentatives, j'ai compris exactement ce que je devais faire pour y arriver presque à tous les coups. Donc je vais vous expliquer comment faire. La première chose à faire, c'est de placer un coffre à la limite de votre base. Ensuite vous allez sélectionner une construction qui vous demande la ressource que vous voulez dupliquer. Donc moi, bien entendu, j'ai sélectionné une construction qui me demande énormément de ressources pour pouvoir les dupliquer plus rapidement. Et pour que le glitch fonctionne, il vous faudra au moins une fois toutes les ressources demandées pour pouvoir construire la construction en question. Mais très important, toutes les ressources ne doivent pas être sur vous, ils doivent se placer dans des coffres qui se trouvent dans votre camp. Donc maintenant que j'ai choisi la construction et que j'ai placé mon coffre, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer à la limite de la base. Et je vais faire en sorte que quand je la construis, je sors du camp. Comme ça, la construction va se créer, mais elle n'utilisera pas les ressources dans le camp. Elle n'utilisera carrément aucune ressource. Ensuite, j'aurai juste à aller près de la construction, de l'annuler, et là, je vais récupérer toutes les ressources qui sont à l'intérieur. Donc à ce moment-là, je vais les ranger dans mon coffre et je continue la technique en illimité. Donc maintenant, je vais vous expliquer l'astuce que j'utilise pour y arriver presque à tous les coups. En fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne la construction, je vais à la limite de ma base et je vais faire des petits coups d'analogue vers l'avant et vers l'arrière pour vraiment trouver la limite précise de la base. Quand je vois que je l'ai trouvée, j'ai juste à faire un pas dans la base, ensuite de faire la construction et dès que je fais la construction, je fais un petit coup d'analogue vers l'arrière pour sortir de la base et là, logiquement, ça devrait marcher. Donc si ça a marché, j'ai juste à aller annuler la construction, ensuite d'aller mettre les ressources dans mon coffre et voir si ça a bien dupliqué les ressources. Donc voilà, au début c'est un petit peu compliqué à faire, mais vous verrez que quand vous l'aurez réussi quelques fois, bah là vous allez y arriver très facilement.